Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtue, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part de l'épisode numéro 3 de la saison 2 des couleurs classe sur GTA 5. Donc je vais vous proposer deux nouvelles couleurs, donc une qui a été trouvée par Revenge mais que moi et Venger avons modifié, une couleur qui a été trouvée 100% par Venger, donc c'est vraiment une couleur qui est juste magnifique. Donc on s'est placé sur une colline, on va redescendre sans casser la voiture, ça serait franchement l'idéal. Voilà, on va passer la colline. Contrairement aux autres couleurs classes, je commente la vidéo après, pas en live commentary parce que j'ai pas pu au moment où j'ai fait la vidéo. Je remercie Venger de m'avoir aidé. En attendant qu'on arrive au LS Custom, je vais tout simplement vous inviter à me rejoindre sur mon groupe Facebook, ma page Facebook et mon Facebook personnel. Donc si jamais vous cherchez des personnes pour analyser les glitches que je fais en vidéo, n'hésitez vraiment pas à me rejoindre. Venez me follow sur Twitter, on vient de passer la barre des 3000 followers, c'est juste énorme. Je tiens à préciser que j'ai aussi changé la musique d'arrière-plan, donc vous la trouverez dans la description. Donc vous allez tout simplement vous rendre dans le Los Santos Custom de votre choix. On va faire comme d'habitude, on va se rendre dans peinture et on va aller dans classique. Et on va mettre un noir basique comme à chaque fois. Peinture, couleur principale, on va mettre du classique noir. Et couleur secondaire, on va faire exactement la même chose. Donc ma voiture est 100% noire. Donc pour la première couleur, vous allez vous rendre dans couleur principale. Vous allez aller chercher le graphite que je n'avais pas vu au début. Donc du coup j'ai fait un peu la revue de toutes les couleurs. En fait le graphite était tout au début mais je l'avais vraiment pas vu. Je pensais qu'il était dans le fond mais en fait non. Je me suis vraiment gouré. Mais je vais quand même le trouver au final, vous allez voir. Donc là je viens de me rendre compte que le graphite était là. Et encore non, je m'en suis même pas rendu compte du premier coup. Mais après j'ai vu qu'il était là. Donc vous achetez le graphite, vous allez après dans Nacré. Et vous allez aller chercher un rouge, le rouge Torino. Ou alors le rouge Formula. Moi je vais prendre le rouge Formula, vous mettez le rouge Formula. Et en couleur secondaire, vous allez aller dans Matte et vous mettez soit le rouge foncé ou le rouge tout court. Moi personnellement je vous conseille de mettre le rouge tout court. Parce que ça rend vraiment super bien avec cette couleur. Franchement je vous conseille soit le rouge, soit le vert ou soit le bleu. Avec le bleu ultra ça rend vraiment très très bien. Mais histoire de changer un peu, j'ai préféré mettre quand même un peu le rouge. Donc on voit quand même que ça fait un effet gris, noir, rouge. C'est vraiment sublime. Moi personnellement j'adore cette couleur. Je l'ai mis sur mes voitures. Et donc si vous voulez voter pour cette couleur, là vous voterez tout simplement 1 dans l'espace commentaire. Donc comme à chaque fois vous avez à peu près l'habitude. Et maintenant on va passer à la couleur de Venger. Donc là c'était la couleur modifiée que Revenge m'avait passée. Là je vais faire la couleur de Venger qui est à peu près un or orangé qui est vraiment sublime. Donc vous allez vous rendre dans peinture, couleur principale, et vous allez vous rendre dans métallisé. Vous allez aller chercher le rouge sang. Donc on peut vraiment pas le rater, le rater c'est vraiment le rouge le plus foncé qu'il y a. Et une fois que vous l'avez, vous allez tout simplement y mettre du jaune, et non pas du jaune racing mais du jaune. Et en couleur secondaire, donc vous pouvez déjà voir que l'effet est assez beau. Et en couleur secondaire, vous allez tout simplement mettre du jaune. Ou alors, comme moi, vous allez mettre du bleu. Le jaune, vous voyez bien que ça rend vraiment l'effet de brillance éternelle. Mais moi, personnellement, j'avais mis le bleu. Le bleu foncé, ça rend super bien aussi. Mais après, moi, je vous donne des idées. Et après, c'est à vous de les modifier selon vos goûts et vos couleurs. Personnellement, le bleu est une couleur que j'apprécie et que j'aime énormément. Et après, pour la couleur des jambes, vous mettez soit du bleu ou alors vous mettez du jaune. Donc pour cette couleur là vous voterez 2 dans l'espace commentaire. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode numéro 3 de la saison 2 des couleurs classe. En tout cas j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'oubliez pas que la nouvelle musique d'arrière-plan se trouve dans la description, et que la musique de mon intro se trouve aussi dans la description, parce que vous êtes nombreux à me poser cette question. Et du coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un petit like et un petit partage, ça me ferait énormément plaisir. Et nous on se retrouve dans deux prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao bye bye tout le monde. Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.